Au cours de l'épisode précédent, nous avions présenté le récit d'un témoin ayant rapporté une rencontre rapprochée du troisième type. Dans le domaine des enquêtes OVNI, il n'est pas rare d'entendre plus d'un récit de nature ufologique provenant de ces témoins. C'est ce qui s'est produit durant notre rencontre avec cette personne qui nous a partagé non seulement sa rencontre rapprochée du troisième type, mais nous a également raconté une expérience en lien avec un possible enlèvement extraterrestre. Afin de vérifier certaines zones non explorées relatives à un épisode de temps manquant en lien avec cette histoire, nous avons fait appel à un consultant en matière de régression hypnotique. Voici les détails de cette enquête qui date de février 2015. Est-ce que vous avez déjà observé un OVNI dans le passé? Bon, j'ai marqué oui. Oui. Est-ce que vous l'avez déjà rapporté? Non. Non? Jamais. Okay. OK. Est-ce que vous avez déjà rapporté une expérience d'enlèvement? Non. Avant celui-là? Non. OK. La seule personne à qui on a parlé aux États-Unis, c'est aux gardes forestiers. Okay. Quand on a réussi à sortir du champ, puis on a trouvé une route de terre. Là. Okay. Ben, là, on parle plus au niveau d'une association non, jamais de police, jamais là, rien, là. Non. OK. Puis là, c'est sûr que vous, c'est plusieurs expériences, là, mais en général, comment ces expériences-là sont revenues à la surface? Est-ce que ça a toujours été au niveau conscient? Est-ce qu'au départ, c'était sous forme d'un rêve? Non, ça ou, a toujours... ça vous est revenu à une date ultérieure après ça? Ça a tout le temps resté dans ma mémoire. OK. Est-ce que vous avez déjà observé un OVNI de 1000 pieds ou plus près? Oui. Oui, OK. Est-ce qu'il y avait d'autres témoins? Oui. Mais ça, c'est avec l'expérience... d'enlèvement, oui. Oui, on était trois. OK. Mais est-ce que les autres témoins qui étaient avec vous, comme les deux autres, mettons, pour ce cas-là, est-ce qu'eux ont des souvenirs de cet événement-là? Les mêmes souvenirs que moi, ils n'ont aucun souvenir de plus que moi. C'est ça qui est décevant. OK. Puis donc, vous avez eu une période de temps manquant? Oui, une grosse période de temps manquant. Avant de voir le gars. Il était 2 heures de la nuit. Ça, je me rappelle qu'il était 2 heures parce que j'avais regardé l'heure avant que ça arrive. Okay. Fait que je sais qu'il était vers 2 heures, peut-être 2 heures et quart, là, parce qu'on a, on a roulé un bout de temps avec cette affaire-là qui nous suivait. Là. Okay. Puis après ça, quand vous vous êtes ramassé sur la route dans le champ, c'est pas longtemps après on ça n'était pas sur une route, c'était vraiment un champ. OK, un champ, et puis l'autre là. Okay. Il n'y avait pas de route, là, c'était un champ. OK, puis pas longtemps après ça, il a commencé à faire clair. Oui. Donc, OK. Puis, quand avez-vous conscience de cette perte de temps-là? En quel sens? Ben, est-ce que au moment où vous êtes dans le champ, bon, non, on est-ce tout que en état là, de panique. Est-ce que c'est là que vous avez pris conscience qu'il vous manquait du temps? On a pris conscience qu'il nous manquait du temps, je vous dis, quand le garde forestier nous a dit qu'on était à 30 km de la croix qu'il y avait sur mon. Où est-ce qu'on était sur le highway? Là. Fait, donc, vous aviez été déplacé. Vous avez vécu un déplacement de 30 km. Oui. Donc, c'était pas logique. Il y a du temps, là. Il manque du temps. Il manque du temps, mais on ne pouvait pas dire combien de temps, là. OK. Puis quand on s'est réveillé, ben il y avait l'OVNI, là. On voyait les couleurs de l'OVNI qui tournaient autour de l'auto. On était dans l'auto, puis on voyait ces lumières-là autour de nous autres, puis on était dans un champ. On était comme à moitié fou, on comprenait rien de ce qui se passait. OK. Est-ce que au niveau de cet événement-là, il y a soit des évidences physiques comme des traces physiques qui ont resté ou... La seule trace physique que je pourrais dire, là, c'est que j'avais été opéré pour une grossesse ectopique. OK. Avant l'événement, que le chirurgien avait annoncé... Ça faisait un an que j'étais mariée. Le chirurgien avait annoncé à mon mari puis à moi que j'aurais plus jamais d'enfant.
prenez votre temps. Puis j'ai accouché d'un bébé 9 mois plus tard. 9 mois plus tard? Après 9 mois plus tard. Après cet événement-là? Le 23 janvier. OK. Puis j'ai toujours dit, ils m'ont guéri, ils m'ont soigné. Je suis convaincue qu'ils m'ont guéri pour que je puisse avoir un bébé, là. Ils ont fait quelque chose, je sais pas quoi, mais... Est-ce que vous avez la difficulté à vous endormir ou des troubles de sommeil? J'ai pas de misère à m'endormir, mais je me réveille toujours comme une bombe. OK. Puis je me lève, là, vloum, de même dans le lit. Comme si je me faisais réveiller, je sais pas. Okay. Spécial. Puis après, je retourne me coucher, puis je me rendors tout de suite. Est-ce que vous êtes déjà réveillé avec des mémoires d'enlèvement? Non. Puis, ou du sang? Je me suis déjà réveillé avec la jaquette virée à l'envers sur le dos, les boutons rendus dans le dos qui attachaient en avant. Je couche toujours avec mes cheveux tressés parce que sinon, ils sont longs. Ça peut me réveiller parce que je couche dessus. Là, fait que quand ils sont tressés, je me suis réveillé, j'avais plus de tresse, il n'y avait pas d'élastique. J'ai cherché mon élastique, je ne l'ai pas retrouvé. Puis mon lit avait été déplacé. Ma boîte de lit, pas juste le lit, la boîte au complet, avait été déplacée sur le tapis. Puis on voyait la marque du. Puis c'est impossible, là, j'ai essayé de. J'ai essayé de la remettre à sa place tout seul. J'ai été obligé de faire venir mes deux grands frères pour la replacer. J'étais pas capable. J'ai un rêve que je vous ai raconté, que j'ai fait là, pendant, je sais pas combien d'années, là, mais longtemps, longtemps, j'ai fait ce rêve-là. Quand j'étais tout petite, là. Ça a commencé tout petite, le rêve. J'ai l'impression d'être dans une affaire circulaire. C'est blanc. C'est tout blanc. Mais je vois ni fenêtre, ni porte, rien. Il n'y a pas personne. Sauf ma mère puis moi. Puis je vais vous montrer comment on est installé. On est comme ça. Puis là, je vois ça de même, il n'y a rien. Puis je demande à maman c'est quoi. Maman a dit parle pas et pas peur. Puis je suis attachée ici avec un genre de ceinture comme les ceintures de char. C'est de tout ce que je me rappelle. Ce rêve-là, j'étais vraiment plus petite qu'elle. Là. J'ai 4-5 ans, 5 ans, certain. Puis dernièrement, j'ai parlé à maman, puis elle m'a raconté, parce qu'on habitait cette île quand j'avais cet âge-là, puis elle m'a raconté qu'un soir, il y avait un ovni proche de la maison qu'elle voyait dans le ciel, puis que le lendemain matin, elle était sortie, parce qu'on vivait sur le bord de la mer à cette île, nous autres. Okay. Elle est sortie, puis elle me dit qu'il y avait trois trous dans terre où ce qu'elle avait vu l'ovni. Il y avait encore des empreintes dans terre, fait que là, ça, ma mère a 90 ans, là, puis elle se rappelle de ça. Puis ça fait un mois que j'ai demandé la question. J'avais jamais pensé d'y poser cette question-là. J'ai dit, peut-être que ce rêve-là, c'est pas un rêve. C'est peut-être la réalité. J'ai dit, maman, t'as-tu déjà vu des ovnis dans le ciel? Elle a dit oui. Puis là, elle me racontait cet événement-là. Je capotais quand elle me racontait ça. Comment vous sentiez avant d'être amené à l'intérieur du vaisseau, chaud? Bien sûr. Voir, c'est pas vraiment... aucune façon de répondre à non ça. Non plus, hein? Je peux vous dire qu'on était en état de panique quand on a vu l'OVNI, par exemple. Oui, OK. Parce qu'on n'avait jamais vu ça de notre vie, nous autres, là. OK. C'était la première fois qu'on allait aux États-Unis, puis c'est ça qui nous est arrivé, fait que... OK. Ça, c'était l'événement 76. Oui. OK. Si je reviens à l'événement 76, quand il y avait l'observation de l'OVNI, en même temps là, que vous déplaciez, vous avez le sentiment que ça vous suivait. Est-ce qu'il y avait d'autres voitures dans la... Oui, on voyait d'autres voitures sur le... On voyait des voitures de l'autre côté, là, parce qu'il y avait comme un... C'était comme notre vin, là, t'sais. OK. Un allait de même, puis l'autre s'en va de même, là. OK. Mais c'était à noirceur, c'était sur un highway, il n'y avait pas de lumière, il y avait juste de temps en temps de lumière de char. OK. Vous allez vous détendre, vous relaxer. Nous allons venir un peu plus loin encore, très très loin. Dans votre esprit, on va se rapporter très très loin. Car l'état où vous vous trouvez, vous pouvez aller très très loin. Très très loin dans vos souvenirs. Très très loin, vous êtes toujours très détendu. Très relaxé.
Et vous allez arriver à avril 1976. C'est très, très loin. Il y a un ami de toute la famille qui vient d'être décédé. On l'a retrouvé à l'arrière de l'hôpital Dieu de Québec. Qu'est-ce qui se passe cette soirée-là? Mon Dieu. On est tous dans la cuisine. Tout le monde pleure. Pour quelle raison? Sylvie est morte. C'est qui Sylvie? C'est l'amie de René, ma petite sœur. Il devait partir en appartement. Il est mort de quoi? On ne sait pas. Ils l'ont trouvée morte. Je pense qu'elle s'est suicidée parce qu'ils l'ont trouvée à terre. En arrière de l'hôpital ou les escaliers. Mais qu'est-ce qui se produit après ça? Il faut aller chercher quelqu'un? Là, ça parle beaucoup, ça parle beaucoup. Et tout le monde va aller chercher son chum. Il est où son chum? Il est aux États-Unis dans une érablière. Est-ce que vous allez y aller? C'est mon frère Denis qui va y aller avec Solange. Mais là, il parle pas anglais. Il faut qu'il parle anglais. Il a besoin de quelqu'un qui parle anglais. Qui parle anglais chez vous? Oui, je parle anglais. Je parle anglais, moi. Je vais y aller, moi. Vous partez vers quelle heure? 10h. La route est longue? 10h. Oui. Oui, la route est longue. Il fait noir. Il y a juste des arbres. Mais vous roulez, vous avancez? Oui. On est sur la highway. De la carte. Il y a quelque chose là. Où? En haut des sapins. La lune? Est-ce que vous voyez la lune? Non, c'est pas la lune. C'est pas la lune, c'est gris. Cardenier. Vous êtes la seule à le voir? Non. Solange le voit aussi. Denis l'a pas encore vu, lui. Il conduit. Il dit c'est un avion. C'est pas un avion. Ça fait pas de bruit, ça n'a aucun bruit. Aucun bruit. Ça nous suit, Chris. Vous suivez vite? Ça nous suit, ça va à la même vitesse que nous autres. On dirait qu'il est à côté de nous autres. Il va à la même vitesse. Il reste là, il nous suit. Comment vous sentez, vous voyez ça? Je suis intrigué. C'est quoi cette affaire-là? C'est bizarre, hein, maudit. Pas de bruit partout. On dirait que ça flotte. Est-ce que vous avez arrêté le véhicule? Non. Non, puis Denis regarde, puis il dit c'est un hélicoptère. C'est pas un hélicoptère, c'est un écrit, là. Ça, elle veut sortir, là. Elle veut sortir du char, là. Qui ça? Elle me pose dans le dos, elle veut sortir du char. Solange, elle veut sortir du char, Solange. Pourquoi? Elle a peur. Ah, moi, je me sens pas trop en sécurité, moi non plus, là. C'est quoi cette affaire-là? C'est donc même ça, c'est... Qu'est-ce qui vous rend insécure?
c'est cette affaire-là qui a l'air à nous suivre. On est tout seul, là. Il y a juste nous autres, là, sur la route, là. Il y a personne, il fait noir. Pas d'autres véhicules? Non, je vois rien. Je vois juste cette affaire-là qui nous suit. Qu'est-ce qui se passe dans le véhicule? Ça, là, je crie. Est-ce qu'il y a des choses anormales? Ouais, je veux que Denis arrête, là. Je veux qu'on arrête, là. Je veux qu'on arrête. On arrête quoi? Qu'on arrête l'auto, qu'on arrête. Je veux qu'on arrête, là. Qu'on se parque, qu'on arrête pour voir si ça va s'en aller, cette affaire-là. Je vois juste des reflets lumineux. Ça change, la couleur, ça change. Ça tourne. L'auto part pas. Denis est en train d'essayer de starter l'auto. L'auto part pas. Vous l'avez arrêté? Je sais pas. Je sais pas ce qu'on fait là. L'auto part pas. L'avenir est encore là. On est dans le champ, puis je sais pas ce qu'on fait là, puis l'auto part pas, puis je sais pas pourquoi que l'auto part pas. L'auto fonctionne. Pourquoi que l'auto part pas, je sais pas. Les clés sont là, Denis taponne après l'auto. Il zigonne après la clé. C'est... L'objet est encore là? Est-ce que tu vois encore l'objet? Oh, mon corps est tout gelé. C'est en dedans que c'est froid. Oh, oh! Oh, j'aime pas ça. Oh! À quelle distance c'est froid? Froid dans mon cœur. Ça va mieux? Non. D'accord. Ouais, faux, j'ai froid partout. Est-ce que vous vous sentez couché? Non. Je sens pas que je suis là. Je sens pas mon corps. Je me vois pas. Je sens rien. J'existe pas. Ça bourdonne fort. Qu'est-ce qui bourdonne? Ça bourdonne dans mes oreilles. J'entends un gros bourdonnement. Tout mon corps vibre dans cette affaire-là. Dans le son, mon corps vibre dans le son. Je sens juste cette vibration-là. Une grosse vibration. Ça part de où? Ça part de ma tête, ma lèvre. Quelqu'un me touche. Quelqu'un me touche, je sais pas. Touche à ma bouche. J'ai senti un poids sur ma bouche. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La vibration. Tout mon corps vibre. Ça vibre beaucoup, beaucoup. Je sens tout mou. Mes orteils piquent, mes doigts piquent. C'est gros, la vibration. Laisse venir les images. Il n'y a pas d'image. Est-ce qu'il y a la sensation? Ça vibre. Ça fait un son? Un bourdonnement. Comme un brouhaha. Mon corps est habité par... Qu'est-ce qui s'est passé? Mon dos m'a fait mal.
côté de toi, tu sais. Je suis capable de respirer. Oh, oui, tu respires très bien. Pour retenir. Alors. Détends-toi. Quelle force. C'est juste du passé. Tu m'entends? Oui. Bon, calme-toi, c'est juste du passé. Je suis à côté de toi, puis rien qui t'étouffe. Ça va? Quelque chose, là. Il y a peut-être eu quelque chose, mais là, il n'y a rien. J'ai une douleur. Il y a quelque chose, là. La vibration, est-ce qu'elle est? Elle est dans mes pieds. On dirait qu'elle est en dessous de moi. J'arrive pas à savoir d'où ça vient, cette affaire-là. Ça vibre beaucoup. Mes pieds. C'est comme un. On dirait qu'il y a de quoi qui m'empêche de pousser mes pieds. On dirait qu'ils sont bloqués par quelque chose, je sais pas quoi. Pourquoi je peux pas voir? Tu essaies de voir? J'essaie de voir. Juste tu regardes, t'es capable de voir. Mais je veux pas voir, je pense. C'est plutôt ça. Mais tu peux regarder parce que c'est du passé, tu peux le voir là, ce que c'est. On regarde ensemble? Aïe, mon pied. Tu veux qu'on regarde ensemble? Oui. Tu regardes, je regarde après. Je veux pas voir. Tu veux pas voir ou tu peux pas voir? Il y a quelque chose, là. Je sais pas c'est quoi, mais je ressens qu'il y a quelque chose, là. Quelqu'un ou quelque chose, ou je sais pas quoi. Mais c'est moi qui est là. Toi. Non, non. Non. Alors, t'es ailleurs. La vibration n'importe quoi. C'est quoi qui fait vibrer mon corps comme ça? Détends-toi, on va te réveiller graduellement, OK? Oui. Calmement. Prends les bonnes respirations. Relax. Va te rappeler de tout ce qui s'est passé. À 5, tu vas ouvrir tes yeux, OK? Cool. Ça va? Quand je vais dire 5, tu vas ouvrir tes yeux tout doucement. Correct? Oui. Ça va être mieux. 1. 2. Ta transe devient moins profonde, plus légère. 3. Tu peux commencer à bouger tes orteils. Tes doigts. 4. Tout ton corps devient mieux, étendu. Et 5, tes yeux s'ouvrent tranquillement. Et tu te rappelles de tout ce qui s'est passé. Mais c'est du passé. Ça va bien? La présence d'êtres morphologiquement différents de l'humain fait parfois partie des récits d'enlèvement extraterrestres. Outre les petits gris dont la présence est souvent associée aux abductions, il existerait de nombreux autres types d'entités qui auraient été vues au cours de ces rencontres rapprochées du quatrième type. Parmi les espèces rapportées durant les témoignages, ce n'est pas rare que l'abducté donne la description d'entités dont la forme générale ressemble à celle d'un insecte. Le témoignage suivant nous amène au cœur d'une expérience particulière où des êtres insectoïdes auraient été vus à plusieurs reprises par le témoin au cours d'enlèvements successifs. Nous sommes ici aujourd'hui dans les bureaux de notre psychoanalyste, M. Pierre Caron, pour justement discuter d'un cas d'enlèvement. Pierre, sur un aspect sérieux, tu connais que Mme X est déjà venue dans tes bureaux suite à une référence par Nufon Québec. Sur ce, c'est parce qu'on a trouvé que
il y avait des grandes possibilités que Mme X a été enlevée depuis sa jeunesse. Et nous, évidemment, quand on soupçonne que c'est un cas d'enlèvement, ça prend une expertise un petit peu plus avancée. Qu'est-ce que tu penses du cas à date, avec le peu d'informations que tu as? On a fait le tour côté familial, toutes les choses qu'il pourrait avoir à part. Et puis ensuite, on a embarqué dans la régression hypnotique, tout en allant découvrir la technique que j'avais à utiliser pour travailler avec elle, parce que chaque personne a une technique différente. Mm-hmm. Quand je l'ai rencontrée, on a parlé, comme je te dis, tu étais témoin. On a suivi une séance d'hypnose, et puis c'est là qu'on a découvert qu'il y avait quelques éléments. C'est encore tôt pour affirmer et confirmer que c'est un cas d'enlèvement vraiment, vraiment. Mais on a un élément qui nous a ouvert un peu l'histoire du fameux cheval avec l'œil noir, puis parce qu'on sait très bien que dans les cas d'enlèvement, et je sais moi aussi que dans certains cas d'enlèvement, ils sont capables, ces fameux êtres-là, de prendre l'apparence d'une autre personne ou d'un autre être ou peu importe. Après ça, surtout dans un champ, c'est une maison qu'ils connaissent, la maison de son grand-père ou sa grand-mère, je crois. Et dans un champ. Et là, comme ça, elle marche, elle est jeune. Je pense que là, je ne me rappelle pas vraiment de l'âge, peut-être je dirais ce que j'avais marqué. Je pense qu'elle avait 3-4 ans, quelque chose comme. C'est ça. Et puis, le cheval apparaît comme ça de nulle part. Puis elle adore les chevaux. Alors elle s'approche, elle le flatte. Mais ce qui porte son attention, c'est son œil noir. Elle dit, on dirait que son œil veut m'avaler. Laisse venir les images. Première sensation. Première image que tu ressens, tu me dis. C'est une pulsation. Son œil pulse. OK. C'est une vibration aussi, ça vibre. C'est lourd comme vibration. C'est une vibration pulsative. C'est très lourd. Et où est-ce que tu es? Je suis devant l'œil du cheval. C'est comme quand je regarde dedans, ça, c'est profond et ça m'aspire. Tranquillement, ça aspire. Après l'aspiration, qu'est-ce qui se produit? Qu'est-ce que tu vois? Je vois une boule qui flotte. En face de toi ou sur les côtés? En face de moi. Mais il y a des espèces de d'ondes vibratoires tout le tour qui... Ça te relie où? Ça me relie. Ça me relie avec mon corps. Ça. C'est relié avec mon corps. Mais c'est relié dans d'autres directions aussi. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est métallique. C'est très luisant et... Est-ce que tu as déjà vu cette sphère métallique? Je sais pas. Est-ce que tu te rappelles d'avoir déjà vu? Non. Peut-être. Ça fait longtemps? Ça me dit quelque chose. C'est quel âge à peu près, hein? Selon toi? 15 ans, 13 ans. Et si tu forces un peu, ce que tu peux voir? Et quand tu trouves, tu peux voir les images. C'est plus comme des silhouettes, des grandes silhouettes, minces. C'est quelque chose qui a une face comme une mouche. C'est des grands yeux, tout comme des mouches. Et où est-ce que t'es à ce moment-là, toi? Je suis dans le milieu de la pièce, devant la sphère. Debout couché? Debout. Tes pieds reposent sur quoi? Sur le sol. Le sol est comment? En lumière. Est-ce qu'il est froid, chaud? Je sens pas, c'est solide.
mais c'est fait en lumière et ça pulse. Toute la pièce pulse. C'est cette pièce-là qui pulse, un front brissement, je ne sais pas comment dire ça. C'est très lourd, très lent, ça pulse. Je sais que mes pieds touchent quelque chose de dur, mais je vois pas de sol, je vois pas de jointure à la pièce. Est-ce que tu peux bouger? Oui, oui, parce que je me suis avancée pour toucher la sphère. C'est du liquide, du métal liquide. C'est bizarre, ça tient. Hein? Est-ce que c'est froid dans la pièce ou c'est tempéré? Tempéré. Tempéré. Et parmi les silhouettes, qu'est-ce que tu vois? Les grands bras, les mains longues. C'est drôle parce que... Qu'est-ce qui est drôle? C'est la face de mouche. C'est comme avec un bec, pas un bec, mais un nez pointu et les yeux, ça me fait penser à une mouche. C'est long, c'est très allongé comme forme. Et... Je vais compter d'un à trois. Et à trois, tu vas te revenir la première fois que tu les as vus. La toute première fois que tu les as vus. Quand tu es capable d'aller, la capacité que je te mets. De 1 à 3, tu vas te rendre la première fois que tu les as eus. 1. Les années, les images. 2. Et 3. Ils sont à l'entour de ma table de chevet. À côté de mon lit. Quel âge je peux faire ça? 5, 6. Qu'est-ce qu'ils font autour de ta table de chevet? Ils ne me regardent pas. Et... Il y a quelque chose sur ma table de chevet. OK. Et leur tête, et... ils ont des grosses têtes. Ils sont pareils, ils sont identiques. Et... Ils regardent vers ma table de chevet. Et... Ils ne s'occupent pas de moi. Mais moi, je les vois. Dites-moi un colère. Ah, oh, j'ai peur. T'as peur? Ah, oh, j'ai peur. Pourquoi? J'ai peur. C'est pas supposé être là, ça. Si je peux pas bouger. J'ai vraiment peur. Si tu peux crier? Je peux pas crier. Oh my God. Laisse bien les images. Dis-moi ce que tu vois. Ils sont là, ils ne me regardent pas. Ils regardent pas. C'est juste à côté de moi, ils regardent sur la table de chevet. Il y a quelque chose sur ma table de chevet. Est-ce que tu peux le voir, sur la table de chevet? C'est... Ça me fait penser aux lumières en bulles qu'on peut allumer puis éteindre en pesant dessus. Lumière. C'est une lumière circulaire, bombée. Et leur main est alentour de ça. Ils regardent ça. Sur combien? 3. C'est dans ta chambre? Tu peux voir d'autres choses dans toi? Mais j'ai l'impression que là, je suis plus dans ma chambre. OK. T'es rendu où? Je suis couchée, je pensais que j'étais dans mon lit, mais c'est sur une table. Dans la table, c'est pas une table de chevet. Je suis couchée sur une table. Je peux pas bouger encore. Et là, c'est les mouches. Et ils ont des drôles de doigts et pattes. Long.
juin 2015, Marc Saint-Germain se rend à Brantford en Ontario pour un congrès ufologique. Durant cet événement, il rencontrera Bob Mitchell, auteur et enquêteur du MUFON, qui venait de lancer un livre sur le phénomène des enlèvements. Marc Saint-Germain profitera de sa rencontre avec Bob Mitchell pour conduire une courte entrevue au cours de laquelle le sujet des enlèvements impliquant des entités insectoïdes fut abordé. Okay, I'm presently with Bob Mitchell at the Alien Cosmic Expo in Brantford, and he will introduce us to his new book, Intrusion: Alien Encounters. So Bob, what is about your book that people will be flabbergasted? Well, one of the things I actually didn't know till I came to this convention was that there hasn't been a book written that even deals with the mantids. Which is this creature here. Mm-hmm. I just assumed there had been, and these were two Canadians that told me their story on it, but apparently there hasn't been. So this is one of the few times that anybody's ever described or even described the experiences they've had with them. So how many different cases you're talking about? Four different people. Okay. And they've had numerous experiences right from childhood to adult, and some of them are having it even today. Are you talking also about the grays? Yeah. I mean, the grays is a term that's widely used for what people normally see as these little 4-foot, you know, big eyes and gray, but you know, we come to realize that they're different species now, and it's like calling all humans all Caucasians. Like there's different races, so there's different kinds of grays. We just all call them one. So a lot of people like to use the term extraterrestrial biological entities now. EBs. Yeah. Not to be confused with Ebens, which is what is supposed to be on Project Planet Serpo, but I think they're a little different species. But they've had terrifying experiences, the people I talk to, with the grays, and another group of people that are basically hooded beings, 4 feet, 5 feet tall, where their eyes are completely dark and their faces are dark under the hoods. They never really see their faces, so that even adds to the terror that you experience. I was at your lecture a little bit earlier, and you were saying that the mantids were more like benevolent? Yes, that's the other strange thing, is that while they, you know, an 8 foot tall insectoid looking being would scare the hell out of me, they're apparently very benevolent. They almost have a sense of a fatherly, motherly, son-daughter-parent relationship, which seems completely ridiculous, but that's the feeling they have, that they've known these creatures all their lives, and they're like, they have the love of a parent. And it's not just one way. They think they're getting the same love back from them. Oh, yeah. Which, you know, I don't know how you explain that, and they don't know how to explain that. It's like the past life, and yeah, or they perhaps, but they always feel that in their presence they won't come to any harm, which is the complete opposite of the grays. They always feel that they're, you know, a menacing type being. And with the mantis encounters, was there any, you know, medical stuff happened? But again, not with the mantis. It was basically. Well, even the one man that was called the doctor, if there was medical stuff done, she blacked out, the experiencer. Okay. But even if there's something done, she felt that no harm would come to her. With the other ones, there was a sense that there were some experiments done on them, particularly eggs being removed. And they were done by either these hooded creatures or gray-type beings, but not these creatures. Okay. And you talk also about tall grays. Yeah. I guess that's the term, tall grays, although they don't look like the grays that we normally see as the small ones. They look like a different species, but there's nothing else to describe them as. But some of these tall grays, as we call them, are hooded figures too. So what's under the hood, I don't know. And they don't know either. All they know is that it's terrifying and menacing, and it's not nice to be in their company. Okay. And do you have a global theory about, you know, those encounters and abductions and... I believe that people that are experiencing them
are chosen for some reason, whether it's to be a reproduction, a test on their psychology, their emotions, or something that they have they want to study, because they're returned. Most people who are experiencers, you know, they may have had a bad experience, but they're always returned. It's multiple. Yeah. The problem is that there are, I'm told, a million people in the United States alone that disappear every year. So where do they go? They're not all being killed by serial killers. They're not all being killed by their spouses. They're not all just running away. Where are these people going? So perhaps that they are being taken and not returned. And oh, yeah. They're being used for some other purposes. And the only other purpose they can be used for is a food source. A little bit scary. It's scary, right? And if you also take it one step further, if the United States government and all governments are in cahoots with at least this one species that is doing this, how do they ever come forth in disclosure? How do they ever tell the public, well, you know, we're trading lives for cell phones, we're trading lives for fiber optics? So how could they ever come out to tell us that? So that's why they're not gonna... I think that's one of the reasons. Yeah. But again, there's supposed to be more than 50 species, so I don't think they're all doing that. I think there's just one type of alien that's doing that, and that's the alien that has a deal with mankind, basically. Okay. The shadow government that's supposed to be running this world. And that's, you know, how do they ever come out to explain that to people? I don't think they can, because imagine what the public would do. Okay. I don't think anybody would throw their cell phones away, but obviously we've traded some technology for some reason, and they have to get something back in return. Okay, in your last word, what would it be about actual phenomenon, UFO phenomenon, triangular, or, you know, and are they related to abduction, or? Well, I'm sure some of the craft are. Yeah. I'm sure some of the craft are man-made, for sure. And I'm sure there's craft out there. Did any of the these witnesses have saw any UFOs or? Most of their experiences aren't connected with seeing an actual craft. Kelly McLean does have an experience where she sees a craft in the backyard, and then she hears voices saying, "Don't be afraid," again. But there's no experience about anything happens to her other than she sees the craft. In any of the ones that she has had an abduction, there is no craft that takes her somewhere. But as a kid, she actually goes into what she thinks is a house, but it's actually a spacecraft, so they manipulated her brain to think that she's going into something familiar. When she's inside, it's obviously a spacecraft. But she doesn't really see the outside of a craft. It's a house to her. It's a craft. Yeah, it is a craft, but to her, it's just an ordinary house. Yeah. Okay. So, thank you very much, Bud Mitchell. And it was Bud Mitchell at the Alien Cosmic Expo presenting his last book, Intrusion, Alien Encounters.